On sait que des poulets pourris ont été trouvés à la décharge de Dar es Salaam un moment. Et on apprend également que vous aviez mis à l'époque en place une commission qui devrait se charger d'enquêter et de savoir justement la provenance de ces poulets pourris. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Oui, merci. Effectivement, vous le savez, lors de notre premier entretien, nous avons évoqué les dangers liés à de tels faits. Le fait que des personnes certainement mal intentionnées partent récupérer des aliments inaptes à la consommation pour les recycler. Quel danger cela comporte sur la santé de la population, des populations de Ratoma. Et face à cela, ce danger, effectivement, la commune avait mis en place une commission composée d'élus et de services techniques de la commune qui évoluent dans le secteur de la salubrité, le secteur de l'hygiène et surtout tout ce qui est lié à au contrôle de qualité. Bon, ils ont fait leur enquête, ils ont mené l'enquête. Il se trouve que, comme vous le savez tous, ça a été publié un peu partout dans les journaux, c'est plutôt vers Anta qu'on a découvert des conteneurs de poulet pourri. Et effectivement, quand ils sont allés à la décharge, ils ont constaté les faits, mais le problème, ils n'avaient aucun élément matériel qui pouvait leur indiquer l'origine. Les informations qu'ils ont recueillies n'ont pas, à vrai dire, permis de savoir quel est le camion qui a transporté, c'est venu de quel PME, parce que vous savez que les ordures sont actuellement, il y a des PME agréées et le transport est mené par ces PME-là et par les camions qui transportent les ordures. Donc, ils n'ont pas pu identifier ceux qui ont transporté, mais toujours est-il que la source, l'origine, c'est à Anta, où effectivement des conteneurs de poulet pourri ont été découverts. Alors, cela relance le débat autour de la gestion et de la sécurité autour de cette décharge de Dar es Salaam. Vous, à votre niveau, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour éviter que cela n'arrive dans l'avenir? Ah oui, c'est effectivement cela. C'est la question de la sécurité au niveau de la décharge qui se pose. Cette affaire de poulet pourri relance effectivement la problématique de la sécurité de la décharge que nous avons tant évoquée. Et il n'est pas normal que la décharge soit accessible à tout le monde et à tout moment. Donc c'est pourquoi nous saluons l'initiative qui est en cours actuellement, où l'aménagement de la décharge est donné à des Italiens qui sont actuellement en train d'entreprendre les travaux, et nous espérons que ces travaux vont finir par la clôture entière de la décharge pour pouvoir la sécuriser et pouvoir contrôler l'accès. C'est extrêmement important pour nous et pour la santé des populations, pour la sécurité des populations même. Parce que sans ça, tout peut arriver. Aussi bien des choses comme déjà à recycler des aliments inaptes à la consommation, mais aussi des accidents peuvent bien arriver là-bas. Donc pour éviter cela, je salue l'initiative là et nous pensons que les amis italiens qui ont le marché là vont faire très rapidement pour vraiment sécuriser la décharge. Un dernier mot peut-être sur ce sujet. Merci. Mon dernier mot sera d'appeler toujours au sens élevé de responsabilité des populations de Ratoma pour qu'ils s'abstiennent de poser des gestes, de poser des actes qui peuvent nuire à la santé de la population de Ratoma. Ils peuvent vraiment mettre en cause la sécurité même de la santé, la sécurité et la santé des populations. Merci beaucoup. Merci bien.